Buongiorno, siamo qua con Maxime e Thomas. Bonjour Maxime, bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Registi di Pornstar, film francese in concorso a Lago quest'anno. Allora, film, come raccontarlo? Diciamo che è una storia che cerca di essere in qualche modo, secondo me, abbastanza veritiera. È una storia di una donna invecchiata, che si ritrova a fare i conti con il suo passato, con quando lei era giovane, e tutto un processo di accettazione personale. La grande differenza è che è una storia molto classica, insomma, la differenza è che si parla di una porno star e quindi di film porno e insomma, di questo tipo di industria cinematografica. E quindi la cosa interessante del film è che in qualche modo vuole umanizzare, raccontare in modo crudo e realista un personaggio che normalmente, comunemente può non essere visto come tale. Allora, la prima cosa che mi interesserebbe chiedere a Thomas e Maxime è la scelta dell'attrice, perché questo lo spiego io prima. In realtà Emily Delaunay è un'effettiva attrice porno, la protagonista del film è stata un'attrice porno, e quindi niente, mi interessava chiedere loro come l'hanno trovata, perché hanno deciso, insomma, perché hanno scelto lei, in che misura gli ha ispirato l'attrice nella costruzione della storia, eccetera. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais j'ai brièvement raconté le film. Et puis, bon, ma première question, c'est sur l'actrice Emily, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu, genre, j'ai même vu un interview sur Arte où, genre, elle disait qu'elle est effectivement actrice de film X. Tout à fait. Et du coup, je me demandais, je voulais savoir vos écrits un peu, nous raconter, genre, ouais, savoir l'histoire de cette actrice, de cette femme, c'est-à-dire comment est-ce que vous l'avez choisie, si elle a participé d'une certaine façon à le processus d'écriture du film, etc. C'est ça. Nous, on a toujours eu la volonté avec Maxime sur ce projet de. Enfin, ça a toujours été. C'était dans l'idée de départ de faire appel à une actrice X et pas d'aller chercher une actrice. On voulait jouer avec la réalité à ce niveau-là. Et on a entamé un processus de casting avec des directrices de casting qui nous ont aidés à trouver l'actrice qui pourrait correspondre, qui avait envie de s'inscrire dans un tel projet. Et on a eu la chance de rencontrer Émilie dans ce cadre-là. Qui est vraiment enfin, qui est pour le coup vraiment une star du X en France, qui est quelqu'un de enfin, vraiment de connu dans le milieu. Et c'est vrai qu'au départ, on avait vraiment écrit une trame narrative avec on avait déjà une idée de personnage, une idée d'histoire, on avait une idée de personnalité, enfin voilà, de personnalité, on savait un peu quel genre de profil on voulait. Et pour le coup, ça a été une belle rencontre parce qu'en gros, enfin, en tout cas, à chaque fois, c'était sur le casting, les filles qui s'en occupaient prenaient vraiment le temps de rencontrer, voilà, chacune des filles, de les interroger. C'était des rencontres qui duraient 45 minutes, tout était filmé, donc pour nous, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, ça nous permettait à la fois, donc, du coup, de rencontrer ouais, ces différents enfin, de voir un peu ces différents profils, mais aussi de voir ce que nous on pouvait plaquer par rapport à ce qu'on avait écrit. Et ce qui a été très intéressant dans le cas d'Emily, c'est qu'à la fois elle rejoignait un peu les envies qu'on avait, voilà, sur sa personnalité, sur son parcours, sur ce qu'elle dégageait, et en même temps elle a apporté avec son vécu plein de choses au film qu'on n'aurait pas forcément imaginé à la base, quoi. Donc en fait il y a une espèce de rencontre qui s'est faite entre nos envies de fiction qui étaient là dès le début, et en gros et la réalité qui a été apportée par Emily, quoi. Et à partir de là, une fois qu'on l'a rencontrée, qu'on a parlé un peu avec elle, on n'a pas jeté à la poubelle tout ce qu'on avait, mais on a réécrit beaucoup en fonction d'elle quand même. On avait envie d'écrire un personnage qui lui ressemblait. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. On l'a parfois éloigné un peu d'elle parce qu'il fallait garder, ne serait-ce que pour elle aussi, un rapport plus clair entre la fiction et la réalité. Mais à partir du moment où on a fait sa connaissance, on a vraiment eu envie de faire un film qui se rapprochait d'elle. Ok. Mais du coup, genre au début, quand vous avez fait le casting, vous cherchez déjà des actrices X.
pour le rôle principal, pour le rôle principal, oui, il y a, oui. On a pour ce rôle-là, on a casté que des actrices X. Ok. Allora, è lunga la risposta, ma in realtà è semplice, nel senso, la verità è che si sono incontrati. Loro all'epoca dei casting, cioè quando hanno iniziato a fare i casting, avevano già l'idea abbastanza chiara, cioè cercavano attrici che venissero dall'industria del porno e raccontavano che hanno fatto parecchie interviste e i casting in sé sono stati molto interessanti, facevano interviste di 45 minuti o di più, perché era molto interessante, le diverse personalità, attrici, persone che si sono presentate, ma nel momento in cui hanno incontrato Emily, cioè la protagonista principale, ripeto, Emily che era una star nel porno francese, cioè insomma abbastanza conosciuta, nel momento in cui l'hanno incontrata, niente, hanno capito che doveva essere lei e diciamo spiegavano che in qualche modo si è generato un interscambio perfetto, un incontro perfetto tra la loro idea di fiction e quindi di invenzione, di narrazione, e invece la realtà che lei ha portato, no? Il suo vissuto, sì, il suo vissuto, la sua esperienza, i suoi ricordi, eccetera. Quindi in qualche modo, diceva poi Tomà alla fine, sì, la sceneggiatura è stata un po' riscritta nel momento in cui l'hanno incontrata. Hanno iniziato a lavorare con lei. L'altra domanda, che secondo me è molto interessante perché è una cosa importante da sapere prima di vedere il film, io credo, è giustamente questa ambiguità, questione, gioco in qualche modo tra la realtà e la fiction, perché secondo me è un film, Pornstar è un film che si può tranquillamente vedere pensando che è tutto finzione, però non si coglierebbe, io credo, quello che a mio avviso loro volevano trasmettere. Io in realtà gli chiederei un po' come loro nel processo di scrittura e poi realizzazione del film hanno deciso, che equilibrio hanno cercato di trovare tra realtà e finzione. Perché io credo sia un aspetto abbastanza importante, che parte ovviamente dall'attrice, ma poi forse si apre anche in altre questioni del film. Dunque, la question c'est sur la réalité, parce que moi je crois que, genre, au début, quand j'ai vu le film, je savais pas ça, et quand j'ai compris, genre, l'histoire d'Emily, etc., je crois que l'aspect... Genre, l'ambiguïté que vous avez créée entre fiction et réalité, c'est assez intéressant et c'est bien de le savoir avant de voir le film, parce que ça change beaucoup la perception du film. Et du coup, je voulais savoir, genre, à part, oh, peut-être non, on peut pas la couper, mais à part Emily, je voulais savoir comment est-ce que vous avez pensé, décidé de jouer entre fiction et réalité. Quand vous avez écrit le film et même quand vous l'avez tourné, etc., monté aussi. C'est sûr que dès l'écriture, on s'est toujours dit, donc à la fois dans le choix d'Emily, mais aussi dans le choix du décor, qu'on avait envie justement de vraiment se nourrir du réel. Donc d'ailleurs, enfin, le film se passe dans un salon de l'érotisme, mais on a tourné dans un vrai salon. Donc en gros on avait loué un stand au milieu de vrais d'exposants professionnels et donc c'était un stand de fiction, parce qu'on, bien évidemment, nous on faisait pas, on était là pour faire notre tournage, mais on était vraiment dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Et après, du coup, voilà, quand Emily marche dans le salon, on la suit vraiment, on est vraiment, voilà, il y a des plans documentaires. Donc ça, c'est, voilà, c'était quelque chose auquel on était vraiment attaché, parce qu'on avait vraiment envie de faire sentir cette ambiance très particulière de ces lieux-là, et on pensait, je pense à juste titre, qu'on n'aurait jamais réussi à le reconstruire, en tout cas en faux, quoi, réarriver à donner une impression de réalité en partant de rien. Je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Mais en même temps, alors qu'il y avait cette envie de documentaire qui était très forte, mais en même temps, on avait aussi dans notre mise en scène envie
de pas forcément être sur on va dire un faux documentaire. On avait envie d'être sur de quelque chose d'assez tranché en termes de fiction, avec voilà avec quand même une lumière assez sophistiquée, avec des cadres assez sophistiqués. On n'avait pas non plus envie de donner l'impression d'un faux documentaire. On avait vraiment envie de plonger les gens dans un film. Donc on a en fait on, voilà donc on s'est nourri de ce réel là, tout en vraiment en ayant envie de faire un vrai film de fiction et en invitant les gens dans voilà dans un film quoi. Ok. E allora sì, in realtà spiegava Maxime che da sempre hanno avuto un po' l'intenzione, l'idea già dal primo momento, dalla prima sceneggiatura, di lavorare molto con il reale in qualche modo, che la parte di documentario nel film fosse molto presente, soprattutto diceva, faceva l'esempio della scenografia, come vedrete il film, gran parte del film è ripreso in una, non ho la più pallida idea di come si dica in italiano, di sala erotica, insomma di salone erotico, di fiera forse erotica, vera, nella quale effettivamente Emily, che nel film si chiama Lisa, si muove, fa cose che non racconteremo perché le vedrete, e quindi davvero loro l'hanno effettivamente seguita con la telecamera e in questo spazio reale in qualche modo. Dall'altra parte però non volevano né fare un falso documentario, e anzi al contrario volevano che certi aspetti più che altro forse della messa in scena, della fiction, fossero presenti, quindi appunto stare particolarmente attenti alle inquadrature, all'illuminazione e a certi aspetti della costruzione di un film che in qualche modo appartengono di più alla fiction che non al documentario. Allora, Gisa, je crois que genre moi j'aimerais bien vous poser plein de questions d'autres, mais je crois que ça va déjà comme ça. Genre on a au moins dit quelque chose sur Lisa, ben sur Emily, l'idée du film. Du coup, je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup, à toi. Merci d'avoir sélectionné le film en tout cas. Bah oui, merci beaucoup. Basta, quindi vi lasciamo alla visione del film, speriamo con queste due piccole domande però insomma di avervi saputo spiegare qualcosa, e buon visionaggio a eux, e bah, merci oui. A vous. Bon film. Merci. Merci. Merci beaucoup.